Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des Reliques of Rage Bandicoot 4 It's About Time sur PlayStation 4. Et aujourd'hui on se retrouve pour le niveau du froid glacial. Tandis que je me fais sauter la tronche avec les TNT loul. Mais c'est pas grave, c'est ainsi que voulez-vous. Je n'y peux rien moi les gars. J'essaie vraiment de faire au mieux. Voilà, c'est comme ça que je peux faire. Et vous inquiétez pas pour la caisse 3, elle va sauter avec, hein, donc vous inquiétez pas. Voilà, là ici vous voyez, il y a plein de caisses temps ici et là. Hop, 4 petites caisses temps, ça se prend. Là, voilà. Ça vient, parfait. Impeccable. Alors là, moi je vais prendre ce chemin là. Pour moi, est plus simple. En plus avec ce chemin là, voilà, on arrive tout de suite au bout, hein. Hop là, surtout bien arrêter le temps comme il faut. Ok, parfait. Très bien, là on passe en dessous. Ok, très bien. Voilà, là surtout bien péter la caisse interrupteur là, parce qu'il y a quand même 6 caisses temps à prendre, c'est pas négligeable du tout, hein. Faut les prendre. Pas mal. Attention, monsieur. Ok, pas mal. Très bien. Pas mal. Parfait. Bah là ici on va pouvoir être invincible. Donc là on fonce, hein, évidemment. On perd pas une seconde, hein. Quand on est invincible, il faut y aller. Il faut foncer. Wow. Ok, c'est pas mal. Oh oh. Voilà, là ici je profite que je suis invincible, hein, évidemment. Allez, vas-y. Ok, très bien. Et on arrive au bout. Et top chrono. Très bien. Sans problème. Un niveau plutôt simple, je trouve. Et j'ai les reliques d'or. Très bien. Par contre, je suis quand même à encore une fois, je suis à près de 15 secondes de la platine. Hein. C'est quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Mais ça, le truc, c'est que je n'utilise pas assez. Ça, c'est un peu le problème. Mais je trouve que c'est mal branlé dans ce jeu, encore une fois. Hein. C'est le boost de crash. Voilà, faire ce fameux triple tourbillon ou le tacle tourbillon. Je trouve vraiment ça que c'est une mauvaise commande. Excusez-moi, mais moi je trouve ça vraiment que c'est une mauvaise commande. La technique du boost de crash Hansen était vraiment mieux, quoi. T'as juste appuyé sur un bouton, il course. Là, faut juste faire une commande, mais complètement débile. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Et c'est ça en fait qui me coûte vraiment du temps. C'est que je ne fais pas ces commandes qui est importante pour les reliques. Voilà, allez, on s'arrête là donc pour ce niveau. Et la prochaine fois, on s'attaquera au niveau ours en coquette. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.